Bonjour les amis. Voilà, donc je vous envoie ce message aujourd'hui. C'est pour mon intervention aujourd'hui concerne la Russie et l'Ukraine. Voilà. Donc j'ai un message à faire passer et j'espère qu'il sera entendu. D'abord, le premier message s'adresse au président russe, Monsieur Poutine. Donc j'ai envie de demander au président russe, cher président, vous avez démontré que vous êtes puissant, que vous êtes fort. Voilà, je pense que l'Ukraine a compris. Je pense aussi que le président ukrainien a compris. Donc, ce que je peux vous demander aujourd'hui, cher président russe, c'est de stopper la guerre et de tendre la main au président ukrainien et faire signer avec le président ukrainien un accord qui inviterait l'Ukraine à être neutre. Parce que c'est le but que vous recherchez de toute façon. Vous recherchez une Ukraine neutre. Oui, il n'y a pas d'armes qui se pointent vers la Russie. Et ce message-là, franchement, si vous tendez la main aujourd'hui au président ukrainien, après cette démonstration de force que vous avez faite, vous allez passer pour être le plus grand président du monde. Donc, j'espère que vous allez entendre ce message et que vous le ferez. Président russe, monsieur Poutine, tendez la main au président ukrainien. Tendez la main au président ukrainien afin que vous puissiez tomber sur un accord, vous lui proposez l'accord, de signer l'accord avec vous, que l'Ukraine restera un pays neutre. Neutre, qu'elle n'entrera jamais dans l'OTAN, et qu'elle sera un pays neutre. Et que vous, à côté, vous garderez vos relations de fraternité, parce que l'Ukraine et la Russie, c'est quasiment un même pays, c'est un même peuple. Voilà. Et au président ukrainien, j'ai envie de dire, vous êtes jeune, vous êtes valeureux, vous êtes courageux, c'est très bien. Mais écoutez-moi, cher président. Si la Russie, le président russe, vous tend la main, saisissez-la. Vous gagnerez à être dans une position de neutralité. Comme ça, on évitera les morts et les bains de sang. Voilà, ça c'était mon message ce matin pour le président russe et le président ukrainien. J'espère que le bon sens va passer et qu'ils vont entendre ce message-là. Donc mon message s'adresse au président russe et au président ukrainien. Président russe, cher président. Arrêtez la guerre et tendez la main au président ukrainien. Il est jeune et il a compris la situation. Et de ce côté-là, au président ukrainien, acceptez la main que le président russe vous tendra et signez un accord de paix. Signez un accord de paix et acceptez que votre pays soit neutre et que votre pays ne dispose pas d'armes de destruction massive. Voilà. Parce que vous pouvez vivre heureux. Sans être hyper armé, vous pouvez vivre heureux, tout simplement, sans vous accrocher à une partie ou à l'autre. Voilà, c'était mon message ce matin. Partagez-le et j'espère que bientôt la guerre cessera en Ukraine et que nous, on a besoin des Russes aussi, chez nous, en Afrique. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Je m'appelle Denis Dongué, président du parti politique Ouan Cameroun. Ouan Cameroun, c'est au Cameroun. Merci, à très bientôt. Merci à vous.